Nous avons fait ce livre « Étudiants africains en mouvement, contribution à une histoire des années 68 ». Pourquoi l'expression « les années 68 » Donc c'est une expression qui a été qu'on attribue à Bernard Lacroix pour parler d'une période assez large de mouvements étudiants à l'échelle internationale, où s'est développée, on va dire, une grammaire de la contestation à l'échelle mondiale. Pourquoi nous, on considère que ce livre est une contribution? Parce qu'on met l'Afrique un petit peu en dehors de l'histoire internationale, ou alors comme un réceptacle un petit peu de ce qui peut se passer ailleurs. Il y a eu divers ouvrages qui sont sortis sur les années 68, ces dernières années. Des ouvrages qui se veulent, enfin qui sont des histoires transnationales, des histoires globales, mais qui ne mentionnent pas ou très très peu l'Afrique. Donc on a voulu montrer dans ce livre que l'Afrique a participé à ces années, que la jeunesse africaine a participé à ces mouvements sociaux, et pas simplement comme des réceptacles, à partir de dynamiques endogènes, si on veut, qui prennent racine dans le contexte des indépendances. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en plus dans l'anti-impérialisme des mouvements étudiants de l'époque, dans les projets socialistes des étudiants de l'époque. Le contexte des indépendances apporte un souffle différent, on va dire, à ce type de mouvement étudiant, et ces mouvements ont aussi nourri, et ça on le sait un peu moins, c'est un petit peu abordé dans le livre, il va falloir creuser ça beaucoup plus à l'avenir, a aussi nourri les mouvements en dehors de l'Afrique. Je pense à des auteurs comme Fanon, comme Cabral, qui ont pu influencer les mouvements noirs américains par exemple. On sait qu'en 1960, 14 pays d'Afrique francophone acquièrent leur indépendance. Mais pour un certain nombre de contestataires dans ces pays africains d'ancienne domination française, les indépendances ne sont pas réelles. Et un certain nombre de mouvements vont contester la toujours présence pesante de la France dans leur pays. Il faut bien comprendre en fait que la décolonisation, c'est pas seulement une date, celle de l'indépendance, c'est un processus de très longue haleine. On peut dire que le processus de décolonisation a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, avec la refonte de l'Empire, Union française, loi cadre de fer, puis communauté. Et ensuite, la signature, ou plus exactement la préparation des accords de coopération avec la France, qui sont préparés avant les indépendances et signés juste après. Et justement, ces accords de coopération avec la France, ce qu'on pourrait qualifier de France-Afrique, même si je n'aime pas beaucoup la terminologie France-Afrique, ces accords de coopération sont mis en cause. Déjà, la révolution congolaise de 63 remet en cause ces accords qui vont être renégociés tout de suite après la révolution. Le plus clair à ce niveau-là, c'est peut-être la révolution malgache en 1972. Un des slogans les plus prégnants en mai 72 à Madagascar, c'est contre les accords de coopération avec la France. Les étudiants, et bientôt aussi les travailleurs qui les rejoignent, réclament une seconde indépendance. Il faut bien avoir conscience que ces étudiants africains ne sont pas très nombreux dans leur pays, même s'il y a des différences en fonction de chaque contexte national très important. Ces étudiants forment une minorité de gens scolarisés, mais ils sont issus de milieux très différents. On a des profils sociaux assez variés. Donc ces différences-là et cette minorité est encore plus prégnante quand on s'intéresse aux filles. Les étudiants africains sont bien entendu aussi des étudiantes, peut-être davantage des lycéennes en fait, des filles scolarisées dans le secondaire, parce que la politique de scolarisation a été très tardive dans les pays africains, initiée en fait surtout à compter des années 40-50 pour les filles. Et au moment des indépendances, à partir des années 1960, on a des régimes qui vont essayer d'accroître en fait la scolarisation des garçons et des filles. Donc on a aussi une scolarisation des filles qui s'accroît dans ces années 68. Donc de plus en plus de filles qui sont sur les bancs de l'école, qui elles appartiennent à des milieux sociaux plus élevés en fait, qui sont quand même bien souvent des filles de fonctionnaires, des régimes, même s'il y a bien entendu des différences suivant les pays. Et donc ces filles vont participer aux mouvements sociaux des années 68, et il me semble que c'est l'une des originalités en fait de cette période. C'est que si les femmes ont bien entendu participé aux luttes anticoloniales, à tout un tas de luttes du XXe siècle, les années 68 voient émerger cette figure de la jeune fille protestataire.
Ce qui est intéressant dans cette histoire du Congo jusqu'en 68, c'est bien en fait ce régime un peu original avec une organisation de jeunesse qui finalement prend les décisions à la place du gouvernement et qui va en fait véritablement impulser la politique du régime jusqu'en 1968. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Le régime en fait mis en place en 1963 après l'insurrection et qui se prolonge jusqu'en 68 en fait est un pouvoir à deux échelles qui ne s'oppose pas mais dont l'organisation de base en fait prend les décisions pour le gouvernement lui-même. Cette organisation est dirigée par des étudiants et c'est une organisation de masse de la jeunesse. Je suis responsable des jeunes, mais les jeunes me surveillent. Ils veulent pas que lorsqu'ils ont placé confiance en moi, qu'un jour je puisse les trahir. Et tous les jours, je suis surveillé. C'est si vous voulez, une espèce de jalousie de garder ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, mais ça n'est pas un esprit de suspicion automatiquement. C'est simplement qu'ils ne voudraient pas que ceux en qui ils ont placé confiance puissent les trahir. Mais en tout cas, s'ils les trahissent, sur ce point-là, ils sont sans pardon, ils les élimineraient. Enfin, les écarteraient simplement. À la différence d'autres exemples africains où le parti unique chapeaute véritablement toutes les organisations et influence à sa manière et souvent derrière la figure d'un personnage politique unique comme Sékou Touré en Guinée, etc. Eh bien, au Congo-Brazzaville, il n'y aura absolument pas un personnage politique qui va représenter le régime, mais au contraire, vous allez avoir une pluralité de cadres intermédiaires, puisque le président lui-même va être un intermédiaire entre toutes ces organisations du parti, etc. Mais en soi, lui-même ne va pas influencer d'une quelconque manière la direction du régime jusqu'en 68, mais au contraire va tâcher tout au long de ces 5 années de régime de faire cohabiter, on va dire, ces différentes tendances. Le président ne va pas avoir un rôle de moteur, de leader, mais au contraire va avoir un rôle d'organisateur. En fait, c'est lui qui va accompagner le processus qui va se mettre en place, mais son identité politique reste véritablement en retrait. En fait, lui, et il le dira dans ses mémoires, en fait, le président lui-même n'avait pas du tout l'intention de mettre en place un régime socialiste, etc. Mais il a accompagné ce processus-là, voyant que cette organisation de jeunesse, finalement, avait un programme politique beaucoup plus clair qu'il voulait appliquer. Qu'est-ce que la GMLR, du point de vue sociologique? Mais c'est le ramasser des jeunes au chômage qui étaient là, qui depuis des années, alors que l'indépendance nous avait laissé espérer le bonheur. Hein? Dans les dernières années de l'existence coloniale, il y avait un fort taux de chômage qui se renforce, d'autant plus que le président Youlou prend une option de développement qui est fondée sur l'industrialisation. Et pendant 3 ans, il n'a jamais eu de financement pour faire quoi que ce soit. La preuve, c'est que il est parti avec le barrage du Pilou, et puis être fini. Donc, c'est un problème objectif. Le président Youlou est vu comme quelqu'un qui aime les Blancs, et qui va donner du travail aux jeunes, etc. Si je simplifie, si je caricature, ça en fait ça. Le Congo-Brazzaville, en 1960, est tout juste indépendant. Il est dirigé à l'époque par un certain Fulbert Youlou, qui est un personnage politique qui a émergé durant la période coloniale et qui a maintenu les institutions de l'époque coloniale, à la fois le système institutionnel et le fonctionnement des partis. Mais la vie politique congolaise est très animée aussi à l'époque dans les années 60-63, c'est-à-dire les 3 années qui précèdent l'insurrection d'août 1963. Et dans cette animation politique, eh bien, ce sont les syndicats de travailleurs qui vont jouer un rôle très important. Et les syndicats de travailleurs donc vont animer la contestation à la fois sur des revendications strictement syndicales, mais aussi sur des revendications plus larges au niveau de la moralisation de la vie politique. Fulbert Youlou, on lui reproche son système politique clientéliste qu'il a mis en place en fait depuis la période coloniale. En dehors des syndicats de travailleurs, il y a aussi deux organisations de jeunesse
qui vont émerger aussi dans ces années, fin des années 50, début des années 60. Et ces deux organisations de jeunesse aussi vont jouer un rôle, en fait, surtout de formation et d'animation, mais aussi ils vont permettre de faire prendre conscience à une partie de la jeunesse congolaise d'un certain nombre de problèmes liés à leur situation économique, etc. Et vont aussi rentrer dans la contestation face à Youlou. En 1960, il y a, je pense, une conscience au niveau de la jeunesse, n'est-ce pas ? Mais la jeunesse en 60 n'est pas organisée en une structure, disons, centralisée. Mais il y a une conscience qui vient à partir de ce moment-là, effectivement, qui naît au niveau, par exemple, des élèves qui se mettent ensemble, au niveau du scoutisme, qui est également un lieu de formation et de mobilisation, mais il n'y a pas un mouvement qui centralise l'ensemble des jeunes, puisque les églises, par exemple, en 60, jouent encore un rôle très important, et notamment au niveau de l'éducation. Une des premières revendications syndicales et des organisations de jeunesse avant l'insurrection d'août 63, c'est de contester finalement l'indépendance à moitié de 1960, où finalement, à part une indépendance politique, il n'y a rien eu de plus. La situation avant 1960 et après se ressemble énormément, pour les habitants de Brazzaville notamment. La majorité des capitaux sont étrangers, pas forcément français, ils sont portugais, ils sont anglais, ils sont belges aussi. Il n'y a aucune quasiment industrie au Congo en général et à Brazzaville notamment. Donc vous avez une classe sociale de travailleurs précaires qui sont majoritaires à Brazzaville et qui du coup ont une des conditions de vie qui ressemblent énormément à ce qu'ils ont connu dans les années 50. Il y a une effervescence qu'on observe au niveau de la jeunesse de par l'animation donc de certains, je ne dirais pas de certains mouvements, mais à partir de l'ASCO, la jeunesse laïque. Nous sommes déjà au lycée et on se rend compte que nos responsables, certains dirigeants, essaient déjà d'organiser ici et là quelques jeunes à pouvoir jouer un rôle dans le cadre de la révolution. Dès 1960. Là, nous sommes en 63. Les Trois Glorieuses, ça a été un mouvement très inattendu, puisque à la base, c'est une grève générale qui a été lancée par les syndicats de travailleurs le 12 août 1963, c'est-à-dire deux jours avant les festivités d'indépendance du Congo. On utilise ce terme des Trois Glorieuses qui a été utilisé par la suite, mais qui désigne en fait une insurrection populaire strictement brazzavilloise, avec quelques mouvement aussi dans deux autres villes du Congo, mais principalement à Brazzaville. C'est une grève générale qui a été lancée donc le 12 août par les syndicats de travailleurs. À la suite de l'enfermement, la veille de cette grève générale de trois syndicalistes, il y a une large part de la population brazzavilloise qui va sortir pour protester contre cette incarcération des syndicalistes qui, en fait, pour dénoncer le pouvoir arbitraire de Youlou. Le 12 août, le jour du grand meeting organisé par les syndicats pour protester contre la politique de Youlou en général, plusieurs groupes de manifestants vont aller prendre la prison. Bien évidemment, les Congolais ont des références aussi du patrimoine français, donc évidemment que la prise de la prison comme premier acte de l'insurrection peut aussi faire référence à la prise de la Bastille en 1789, qui est revenue après dans la mémoire de l'événement. Ils vont ensuite tenter de prendre la radio. Ils vont tenter, comme ça, durant deux jours, de prendre un certain nombre de points stratégiques du centre-ville. Et ils vont mener aussi des opérations plus ciblées contre les résidences, les villas luxueuses des dignitaires du régime dans les quartiers africains. Durant ces trois jours, et les syndicalistes, tout d'un coup, vont être vraiment dépassés complètement par l'ampleur de l'événement et en fait par la radicalisation progressive des revendications. Jusqu'à très tard, les syndicalistes vont continuer à négocier avec le président Youlou, alors que dans la rue, les Brazzavillois vont demander directement sa démission.
Le 15 août, en fait, le président Youlou démissionne. Il y a un gouvernement provisoire qui est mis en place. Le terme des Trois Glorieuses, ainsi que la qualification de révolution de cet événement, qui est une insurrection urbaine, ça a été l'entreprise des syndicalistes a posteriori. C'est une construction, on va dire, historique pour un... on va dire élaborer un roman national de cet épisode qui va ensuite aboutir à un régime socialiste, mais qui évidemment initialement n'avait rien de socialiste ni de progressiste en soi. Ils ont évidemment choisi de faire une référence à la fois à 1830 et aussi aux trois jours de guerre en 40, au moment où le général de Gaulle en fait a pris Brazzaville et du coup en a fait la capitale de la France libre. Un nouveau monstre vient de naître en Afrique. Cet animal merveilleux, hérissé d'antennes et parcouru d'ondes, c'est Radio Brazzaville. Brazzaville, capitale de la France combattante, entrait en contact le 18 juin 1943 avec Paris et avec le monde. Et voici le ruban que la France envoie à ses amoureux pour leur rappeler qu'elle est belle. Brazzaville allait pouvoir, jour et nuit, garder le contact avec tous les Français, ceux des colonies comme ceux de la métropole. Donc c'est une double référence, donc évidemment, là aussi on voit le rapport entre les syndicalistes qui n'ont absolument pas envie de couper quoi que ce soit avec la France, et il y a une volonté aussi d'affirmer que cette insurrection était strictement congolaise et n'avait pas du tout comme vocation à rompre avec la France, ce qui a été le cas par ailleurs, par la suite. Quand on regarde de manière générale, le mouvement révolutionnaire est tenu par les syndicats, au moins d'un point de vue formel. Le 15 août, c'est les syndicats qui prennent le pouvoir. Le lendemain, on proclame le CNR. Alors, mais le CNR était quand même dominé, était beaucoup plus à droite qu'à gauche par sa composition. Comment se fait-il que, dans les jours qui suivent, le mouvement prend une pente qui l'amène de plus en plus à gauche? Si nous pensons que le hasard n'existe pas, c'est bien parce que le trèfle par l'UGC, depuis longtemps à l'époque, a mis au monde des activistes. Minorité, peut-être même des activistes agissants qui sont sur tous les fronts, qui se battent et qui donnent l'orientation à gauche du mouvement. En fait, on assiste le 16 août 1963 à une situation un peu inédite au Congo et à Brazzaville, puisque les syndicalistes ne prennent pas le pouvoir. Le gouvernement qui va être mis en place est un gouvernement strictement de techniciens, de gestionnaires qui sont en fait choisis uniquement pour leurs capacités et leurs compétences techniques. Et vous avez donc un vide politique à ce moment-là, dans une capitale et dans un pays qui, en fait, aspirait à quelque chose de nouveau aussi. Et, en fait, cet espace politique libéré, eh bien, ce seront principalement des Brazzavillois qui vont, en fait, investir cet espace politique libéré, en fait, après l'insurrection. Et, bien entendu, dans ces Brazzavillois, vous avez 80% des habitants qui ont moins de 30 ans et vous avez 50% des habitants qui ont moins de 15 ans. Donc, évidemment que le terme de jeune est fédérateur, il rassemble une très grande majorité des gens puisque juste au niveau démographique, c'est en leur faveur. Donc vous avez à la fois un investissement politique des Brazzavillois juste après l'insurrection, à la fois des opérations de nettoyage. Ils vont donc s'organiser en fait de façon assez autonome dans les quartiers, tout simplement parce qu'il faut nettoyer les barricades, il va falloir un petit peu gérer un service d'ordre, etc. Et vous allez donc avoir une espèce de période de transition à deux vitesses, une période qui va être institutionnelle, donc gérée par le pouvoir en place en centre-ville, et vous aurez en fait des expérimentations politiques qui vont être menées au niveau local, et ces deux dimensions auront pas beaucoup de lien durant cette période. Il y a une mouvance de jeunesse, oui. Mais les jeunes, comme ils l'ont dit, sont déjà divisés. Il y a la GEP, la GEC, la JOC, et il y a les jeunesses des régions, et même les clans. Mais il y a une mouvance qui fait que les jeunes ont envie de s'approprier la chose publique et de s'exprimer en tant que tel. Donc c'est pourquoi on parle plutôt de mouvance que de mouvement encore organisé. Bien sûr, les organisations de jeunesse qui étaient très, très organisées et qui
avaient une culture politique plutôt progressiste, je dirais pas socialiste ni communiste, mais je dirais progressiste avant l'insurrection, eh bien, vont aussi se charger d'encadrer ces initiatives locales. Et ils vont donc créer des quartiers jeunesse, comme ils vont les appeler, qui vont donc progressivement, véritablement créer des petites structures autonomes au niveau des quartiers, pour pouvoir aussi faire peser un certain nombre d'idéaux qu'ils avaient et qu'ils avaient formulés et qui ont émergé aussi pendant l'insurrection, et aussi pour porter ces nouveaux idéaux-là à une échelle plus importante, c'est-à-dire au sein du gouvernement et au sein des instances dirigeantes. Bien sûr, le terme de jeunes est un terme aussi qui a du sens, qui a un sens politique évidemment pour eux et qui a une connotation très positive dans ces années 60, pas seulement au Congo mais dans le monde entier. Et il représente, après une insurrection, évidemment, l'espoir d'un changement, l'espoir de ne pas avoir été comme cette génération d'hommes politiques corrompus, etc. Donc, au-delà d'être majoritaire au niveau démographique, il représente aussi une identité politique que ces organisations de jeunesse vont beaucoup instrumentaliser durant ces années. On peut aussi utiliser le terme de Brazzavillois pour ne pas, on va dire, utiliser ce terme de jeune, c'est un peu idéologique. À un moment donné, au niveau des jeunes, sentant l'effervescence et sentant également l'importance notamment des jeunes qui vraiment s'engageaient pour l'action du pays, certains d'entre nous avions compris toute la difficulté qu'il y avait à gérer notamment la situation entre les jeunesses religieuses et les jeunesses laïques. Nous avions senti au niveau protestant qu'il était bon de prendre position pour, aujourd'hui tu dirais la gauche, mais plutôt pour le progrès. Quand je suis élu donc responsable de la jeunesse, nous nous rendons compte que la tâche d'encadrer la jeunesse va être difficile. Mais les seuls qui avaient, disons, une maturité dans ce domaine, c'était les confessions religieuses. Malgré tout, nous l'avions indiqué ici, avec le scoutisme et tout le reste, les mouvements de jeunesse protestante et tout ça, etc. Or, il nous fallait, effectivement, des gens qui encadrent cette jeunesse. Mais à la suite de cette division, le retrait protestant, donc, décide de soutenir le progrès. Je suis envoyé par le groupe protestant, plus le bureau de la JMNR, auprès de l'évêque, pour essayer de convaincre Monseigneur, pour essayer d'encadrer justement les jeunes. Mais nous savions que c'était difficile, puisque l'Église catholique était tranchante vraiment, c'est-à-dire, c'était du communisme. Je rencontre Monseigneur Mbemba à l'évêché la nuit. Je fais la révélation maintenant. 8h du soir, presque en pleurs. Et je lui montre la gravité de la situation d'avoir une jeunesse qui veut avancer, mais qui n'est pas encadrée. Et je lui demande, pour l'amour du pays, de nous aider à nous donner l'encadrement chrétien. Monseigneur Mbemba me répond, André, c'est du communisme. Je sors de là en larmes. Nous avions la responsabilité de la jeunesse, il nous faut trouver donc d'autres solutions. Et parmi les solutions, il y a au moins l'engagement de la partie protestante. C'est elle qui prend par exemple la couche la plus jeune, les jeunes pionniers, hein, qui sont sous la responsabilité de Bitsindou à ce moment-là, hein, qui lui est un cadre protestant. Et dans les autres domaines, c'est également ce qui va se passer. Et donc progressivement, cette organisation des quartiers et de ces élites intermédiaires, pour les définir aussi, je dirais que ces Brazzavillois ont été encadrés principalement par des étudiants qui étaient donc très très peu nombreux au Congo à l'époque, puisque c'est un petit pays, mais il y a une cinquantaine de diplômés du supérieur à l'époque. Et donc cette élite intermédiaire composée d'étudiants, pour certains revenus de France ou d'Europe en général, eux aussi ont une culture politique et militante qu'ils ont acquis à la FEANF, qu'ils ont acquis dans des organisations politiques en France, au PCF, etc. Et beaucoup d'entre eux, bien sûr, de retour à Brazzaville, vont,
ont utilisé leur savoir-faire, leur pratique militante acquise à l'étranger pour aider à l'organisation locale. Et on assiste donc progressivement à un investissement politique et idéologique de ces organisations juvéniles au sein, on va dire, des instances plus officielles qui sont les instances dirigeantes. Ce qui est important de préciser, c'est qu'elles s'inscrivent dans la continuité des institutions coloniales. L'insurrection d'août 63 n'a jamais remis en question l'organisation institutionnelle. Donc ça, en soi, ça n'est absolument pas une révolution. Ils n'ont jamais cherché à changer quoi que ce soit au niveau du fonctionnement de la police, de la constitution, du rôle du président. Tout ça, ça découle évidemment de la période coloniale. Nous sommes encore très jeunes et nous militons évidemment dans d'autres mouvements, tels que le scoutisme, on est encore là-dedans, et scoutisme, âme vaillante, et voilà. C'est bien après 64-65 que nous allons pouvoir nous intégrer. 64, donc c'est d'ailleurs aussi l'engagement d'une bonne partie de la jeunesse congolaise. Oui, et surtout des filles qui se lèvent à ce moment-là, qui prennent conscience et on intègre le mouvement avec les garçons. On s'est soulevé, on a pris conscience. Pourquoi pas nous et puis... Les femmes aussi ont beaucoup participé en tant que brazzavilloises, au même titre que le reste de la population, déjà à cette insurrection, mais aussi à toutes ces mobilisations locales de la période. Je dirais qu'il y a deux temps dans leur mobilisation. Il y a d'abord en fait une participation au même titre que les hommes dans ces instances locales très autonomes. Et ensuite, au sein d'une organisation qui va être créée pour l'occasion une année après cette insurrection, qui est une organisation strictement féminine, comme on peut le voir dans d'autres pays à l'époque aussi. Mais lorsque le coup de tonnerre va sortir dans le ciel mystifié de l'Afrique néocoloniale, les jeunes vont être le fer de lance de tout ce qui va se faire. Et à ce moment-là, nous avons même emprunté une expression de l'Afrique du Sud, parce que l'organisation armée de l'ANC, c'était Unkoto wa Sizwe, fer de lance de la nation. Mais nous, nous allons nous approprier cette expression en disant fer de lance de la révolution. Une année après cette insurrection de août 63, le gouvernement, donc dirigé par Alphonse Massamba Déba, ainsi que les organisations juveniles, puisqu'elles ont pris de plus en plus de pouvoir, en fait elles vont être consultées régulièrement par le gouvernement, et ils décident donc de créer un parti unique. Sur le modèle des partis uniques africains à l'époque, et donc il n'y a pas d'identité politique nette à ce moment-là. Ils vont créer un parti unique donc en août 1964 avec trois organisations, une organisation de jeunesse, une organisation pour les femmes et une organisation syndicale. Et contrairement à tout ce qu'on a pu observer ailleurs, c'est-à-dire en Afrique et dans le monde, où évidemment les organisations de masse du parti sont dépendantes de la volonté et des directions prises par le parti et par le comité central, eh bien au Congo, on assiste progressivement à une inversion de l'impulsion, on va dire, des politiques prises par le régime, puisque en fait, cette JMNR, qui va être cette organisation de masse de la jeunesse, eh bien va être véritablement, comme ils appelaient à l'époque, le fer de lance de la politique congolaise jusqu'en 68. Et là, on continue encore sur cette idée de régime à deux vitesses. On a un gouvernement de techniciens qui vont tenter de mettre en place et de maintenir les institutions coloniales pour ne pas que l'État s'effondre. Et on a en fait la véritable institution politique, le véritable parti, si l'on peut dire, qui est cette JMNR et qui donc a une idéologie et un programme politique à appliquer et qu'ils vont s'efforcer, on va dire, à mettre en place et aussi à influencer le parti pour qu'il prenne également cette direction-là. C'est une structure à deux vitesses, mais qui ne s'oppose pas du tout. En tout cas, pas jusqu'en 68 où il y aura ensuite renversement. Jusqu'en 68, vous avez ces deux organisations qui, en fait, vont s'aider mutuellement dans le sens où l'organisation de masse de la jeunesse, la JMNR, va en fait toujours appuyer la politique du gouvernement. La JMNR en fait va toujours se poser en protecteur du régime, à la fois en termes militaires, en termes de défense, et aussi va soutenir des projets, on va dire, plutôt nationaux, comme des politiques d'alphabétisation, etc., que le gouvernement aurait pu mettre en place en tant que régime socialiste. Mais là, en l'occurrence au Congo, ce sera la JMNR qui va le mettre en place localement, dans les quartiers, etc.
Si réellement les Congolais avaient des capitaux, nous les orienterions vers le capitalisme. Parce que pour tous ceux qui ont des capitaux, il n'y a pas un système viable que le capitalisme. Mais pour ceux qui n'ont pas de capitaux, je ne sais pas exactement quel est le système qu'on peut nous recommander. Le président Massamba Déba, en fait, était un homme politique expérimenté, puisqu'il avait été l'ancien président de l'Assemblée à l'époque de Fulbert Youlou, et il a été choisi puisqu'il avait été en conflit avec le président Fulbert Youlou en 1962. Et c'est vrai que les syndicalistes, pour les syndicalistes, Massamba Déba, Alphonse Massamba Déba, représentait vraiment le politique intègre et donc représentait tout à fait les idéaux de cette insurrection, puisque c'est une insurrection morale avant tout, voire sociale, puisque au-delà de la moralisation de la vie politique, c'était aussi contre ce système, on va dire, clientéliste qui favorisait une élite et qui laissait en fait le reste de la population dans une situation hyper précaire depuis longtemps. Le président Massamba Déba, durant ses 5 années de présidence, donc, a essayé au maximum de développer l'économie congolaise, à la fois en développant, donc en industrialisant le pays, et aussi en développant donc des politiques agricoles. C'est vrai que le président Massamba Déba était très attaché en fait à la politique économique, et c'était, je pense, son principal secteur d'activité, puisqu'il considérait qu'un pays qui était dominé à majorité par des capitaux étrangers, qu'il soit socialiste ou capitaliste, ne changeait pas véritablement le fond du problème, qui était que économiquement il était très dépendant de l'étranger. Donc on assiste durant cette présidence de Massamba Déba à une industrialisation progressive, et évidemment grâce à des capitaux qui sont à la fois de l'URSS, en fait à la fois du bloc de l'Est en général. La Chine par exemple a financé une industrie textile à Brazzaville, et évidemment aussi les Français ont continué à financer des politiques économiques. L'objectif était surtout de créer des usines et des entreprises semi-publiques. Et en parallèle de ça, il y a eu toute une politique agricole qui a été développée, puisque bien que ce soit un pays largement urbanisé, la production agricole était très importante pour une large part de la population. Tous ces aspects, on va dire, de politique économique ont aussi permis d'améliorer le quotidien des Brazzavillois et des Congolais en général, puisque en parallèle de ça, les gens avaient plus de facilité à trouver de l'emploi, etc. Mais je dirais que les aspects en fait économiques ont été gérés par le gouvernement, ainsi que la mise en place des hôpitaux, l'ouverture d'écoles, etc. Mais en fait, tout ce qui est idéologique et tout ce qui est, on va dire, le programme politique, c'est-à-dire le positionnement du Congo à l'échelle internationale, quelle est sa relation avec le bloc de l'Est, quelle est la rupture avec la France au niveau militaire, etc. Tout ça, en fait, ça a été pris en main largement par cette JMNR. Vous allez avoir des politiques mises en place au niveau éducatif, puisque la JMNR va prendre en charge, après la nationalisation de l'enseignement, toutes les écoles. Toutes les écoles vont être en partie gérées par des étudiants de cette JMNR. Ils vont aussi donc se charger de tout ce qui est politique militaire, puisque en parallèle de cette JMNR, ils vont mettre en place une milice pour supplanter, on va dire, le rôle de l'armée. Et évidemment, ils vont mettre en place une politique internationale de relations avec les pays du bloc de l'Est, mais également en fait avec des organisations indépendantistes africaines, que ce soit en Angola, que ce soit au Cameroun ou au Congo d'en face. Et je dirais que toute cette politique internationale va être gérée par la JMNR. La JMNR, en fait, c'est une organisation, mais certains militants de la JMNR, surtout ces cadres intermédiaires, sont souvent, parfois, aussi députés. Certains vont avoir des responsabilités aussi subalternes, mais au sein du parti. Ces cadres intermédiaires de la JMNR vont progressivement, en fait, gravir les échelons internes, à la fois au parti et ensuite au gouvernement, puisque en fait leur objectif est de plus en plus d'influencer au plus près le gouvernement et Massamba Déba, et donc d'avoir des postes haut placés au parti ou au gouvernement. Donc c'est sûr que dans ce cadre-là, ils vont aussi prendre part à des décisions au niveau national, comme la nationalisation de l'enseignement en 1965. L'objectif de cette politique, c'est de fermer les écoles chrétiennes, principalement catholiques,
et du coup de proposer un enseignement strictement laïque et évidemment idéologiquement assez marqué pour les élèves congolais. Ce qui est important, c'est le contexte. Il ne faut pas oublier le contexte. On est à quelle période ? On sort de ce que l'on appelle la révolution. Le pays s'est engagé dans la voie socialiste. On appelait socialisme scientifique. Vous avez suivi la tendance prise par le mouvement de la jeunesse. Nous avons affaire à des personnes qui ne veulent pas voir ce pays continuer dans la voie socialiste. Continuer dans ce que nous appelons la révolution. Donc, il se crée un courant contre-révolutionnaire à l'intérieur et à l'extérieur. Il fallait donc en ce moment-là avoir des éléments, une force capable de s'opposer à cela. Et c'est à ce moment-là qu'est née la défense civile. Mais avant ça, on l'a dit, il y a eu la milice. Nous avons été formés, moi j'ai été de cela, on a été formés dans les camps militaires, par des officiers, des officiers révolutionnaires qui étaient, ou progressistes, ceux qui étaient un peu proches de nous. Et cela a évolué au niveau de la milice. Après, on a eu des instructeurs de l'étranger. Et après, on a eu la création de la défense civile, sous forme de ce qu'on a vu avec des femmes, ainsi de suite. Donc ça, c'est important de ne pas oublier le contexte qu'il fallait qu'on protège la révolution. Donc la JMNR va prendre en charge l'aspect militaire de la révolution et ils vont décider donc en 1965 de créer la défense civile qui va être en fait le bras armé de la JMNR. Et donc ils vont chercher évidemment à mettre en place cette défense civile pour supplanter le rôle de l'armée puisque un certain nombre de généraux avaient été d'officiers avaient été impliqués dans des coups d'État. La défense civile est une milice qui va être organisée par les QA. Et donc on assiste ici en fait à deux volets des politiques de la JMNR qui sont à la fois les relations internationales et la politique de défense, puisque là en l'occurrence les Cubains en fait vont fournir l'organisation de base de cette milice et vont intégrer en fait à cette défense civile aussi des militants d'autres organisations africaines comme le MPLA ou notamment le MPLA et l'UPC pour se former en fait avec les Congolais. Donc cette milice de la défense civile, donc aura ces deux aspects-là, mais aussi, en fait, les cadres de la JMNR vont être très attachés à créer une organisation militaire différente de l'armée régulière au niveau de l'organisation. Donc là, il y aura le premier souci, on va dire, de rupture au niveau du fonctionnement, puisque c'est la seule organisation qui est où les militaires de base élisent leurs représentants. Et il n'y a pas une hiérarchie telle qu'on peut le voir dans l'armée régulière. Donc vous avez, avec la défense civile, le souci de développer une armée un peu particulière, où l'accent est mis aussi sur l'idéologie, puisqu'ils auront évidemment une formation militaire très poussée, mais aussi une formation idéologique, avec des formations, etc. Et en fait, on voit que cette défense civile va rassembler les militants les plus engagés, les militants qui se sont investis de façon la plus importante depuis l'insurrection, les militants de la JMNR. Donc vous avez ce bras armé qui va permettre, on va dire, d'affirmer encore une fois le pouvoir de cette JMNR aussi là au niveau militaire. Et les femmes, bien sûr, ont également participé aux activités même de vigilance, dans le cadre des milices urbaines. Au départ, on est des militants. C'est au niveau de la défense civile où on accepte donc l'encadrement des jeunes qui viennent et qui acceptent à cette époque-là d'assumer le devoir de la défense des intérêts supérieurs de la nation. Et on se sent à cette époque un peu menacé dans une certaine mesure par les voisins. Ça ne doit pas être l'affaire des hommes seulement. Nous également, nous nous formons et nous sommes aussi sur le terrain. Sur le terrain avec les hommes sans distinction aucune. Et lorsqu'on décide de nous donner
quelques rudiments de formation militaire. Ils se rendent bien compte, hein, les encadreurs, que effectivement nous avons les capacités d'aller plus loin. Et voilà pourquoi, dans cette formation militaire, on se retrouve au stade d'Ornano avec des encadreurs. Il n'y a pas un traitement propre aux garçons et un traitement particulier pour les jeunes filles que nous sommes. Nous sommes là comme des actrices véritables et elle a une responsabilité d'encadrement de toutes les filles. Et nous sommes là, un petit groupe, il y a Jeanne Zambila, Madame Ibata, il y a moi-même et beaucoup d'autres sœurs, Rama Diop qui n'est plus avec nous, Hélène Yayoka, etc. Nous sommes vraiment un groupe important. Il y a eu un souci particulier de cette élite intermédiaire d'étudiants d'intégrer les femmes. Je pense que dans ce discours, dans les discours progressistes de l'époque, dans les années 60, il y avait un discours émancipateur vis-à-vis des femmes. Évidemment, c'est un discours qui a été énoncé et une émancipation pensée par les hommes congolais de l'époque. Mais c'est vrai qu'on assiste donc à un discours de politique strictement féminin à l'époque, que après au sein de cette organisation de femmes, les femmes vont s'approprier et vont du coup chercher à influencer la vie politique. En Afrique, où comme vous le savez, le 8e coup d'État de ces derniers mois a provoqué la chute du premier président du premier État indépendant d'Afrique noire, Kwame Nkrumah, dont longtemps une partie du tiers-monde avait même fait le héros de ce qu'on appelait la révolution africaine. Au Ghana, il y a un coup d'État militaire qui renverse Nkrumah et qui a eu en fait un retentissement assez important à Brazzaville. Et à ce moment-là, en fait, à la fois le gouvernement, à la fois Massamba Déba et la JMNR se rendent compte qu'il va falloir peut-être intégrer les militaires pour pouvoir aussi les faire participer à ce processus révolutionnaire. Au Congo, l'émergence de cette catégorie qu'on peut appeler les militaires marxistes apparaît à partir de 65-66. En 65-66, les militaires vont intégrer le parti et il y aura donc aussi le choix de politiser l'armée et l'armée régulière aussi. Ils vont créer l'APN qui aura évidemment le souci de former aussi politiquement et idéologiquement les militaires du rang. En parallèle de cette politisation des milieux militaires dans les casernes, vous avez la défense civile et finalement en 68, on arrive aussi à un contexte politique un peu critique puisque Massamba Déba en fait n'arrivera pas à gérer en 68 les différentes tendances, les oppositions internes, etc. Et en fait ça va arriver à une situation de non-retour où Massamba Déba va décider de s'enfermer et d'écarter du pouvoir au maximum la JMNR, la défense civile. Il n'y a pas vraiment en fait un coup d'État en 1968. La défense civile ne perd pas en 1968, puisqu'en fait c'est une coalition qui va se mettre en place entre la défense civile, des cadres de la JMNR et ces militaires marxistes donc de l'armée, et aussi certains, on va dire, cadres, on va dire des intellectuels aussi. Donc vous avez en fait une coalition de tendances qui avait émergé dans le cadre de ces 5 années de bouillonnement politique et qui vont donc aboutir à ce renversement de Massamba Déba, mais il n'y a pas eu de coup d'État militaire. Ça a été plutôt une transition assez douce, puisque c'est Massamba Déba lui-même qui a démissionné au mois d'août 68. Ce contexte d'août 68 fait évidemment écho à tout ce qui s'est passé en France à la même époque. Si au cours de cette année 68, il y a eu une radicalisation progressive aussi des positions de la JMNR, des étudiants aussi au sein de l'université, des écoliers, des lycéens, etc. C'est aussi lié au contexte français, au contexte mondial en fait du mai français et de l'année 68 en général. Et évidemment que donc la fermeture et le conflit n'est pas imputable uniquement à Massamba Déba, mais évidemment au climat politique et à l'affermissement des positions des uns et des autres, qui vont du coup aboutir à la transition de 1968, où les militaires marxistes, ainsi que la défense civile, etc., vont prendre le pouvoir. La classe ouvrière, la jeunesse, les soldats et intellectuels révolutionnaires, les paysans, sont le gros des forces de la révolution à l'heure actuelle. Bien sûr, la jeunesse n'est pas une classe sociale, mais dans notre pays, la jeunesse ressent l'exploitation
exploité parce que salarié. Le jeune subit en outre l'exploitation féodale des bureaucraties tribales. Cette double exploitation féodale et capitaliste fait du jeune Congolais un combattant résolu de la révolution nationale démocratique dont les deux tâches essentielles sont en finir avec la domination de l'impérialisme et balayer les vestiges de la féodalité. Et donc on assiste donc à l'émergence aussi d'une personnalité politique particulière qui est cette figure du commandant Marien Gouabi, qui est un militaire marxiste puisqu'il a une formation politique, mais il a aussi été formé à Saint-Cyr, il a fait partie de l'armée coloniale qui a combattu l'UPC au Cameroun. Donc c'est un militaire à la fois de carrière et aussi donc engagé politiquement, et il a eu donc une activité politique contre Massamba Déba, contre sa politique d'exclusion de l'armée depuis 1966. C'est lui qui a pris donc le pouvoir en 1968, mais de la même manière que Massamba Déba avait pris le pouvoir en 1963, ce sont des personnalités politiques qui n'avaient pas choisi véritablement de prendre le pouvoir. C'est un concours de circonstances qui a fait que Marien Gouabi finalement a incarné cette transition, et avant Massamba Déba a incarné aussi cette transition. Du coup, je trouve que dans les deux personnalités très différentes de Massamba Déba et de Marien Gouabi, eh bien, on assiste aussi à la volonté de gérer au mieux toutes les tendances politiques du moment. Et au Congo, contrairement à d'autres pays, et je parle de la Guinée, mais je peux parler aussi du Sénégal, etc., au Congo, on a quand même des tendances très importantes au sein du parti qui restent très présentes avec des identités propres, etc. Il n'y a pas eu la volonté dès le début d'éliminer progressivement ces différentes tendances pour, on va dire, unifier idéologiquement le parti. Chaque minute, quand vous travaillez, pensez à la révolution. Quand vous étudiez, pensez à la révolution. Même quand vous mangez, même quand vous buvez. Tout pour le peuple. Yé le bleu. Tout pour le peuple. Yé le bleu. Un coup mourir. Même si ce contexte de 68 n'est pas très critique, très rapidement, la défense civile est dissoute et intégrée à l'armée, la GMNR est dissoute, et donc progressivement, en fait, les cadres de la défense civile et de la GMNR sentent tout de suite qu'ils perdent énormément d'influence au sein du nouveau gouvernement et du parti. Et en fait, vous allez avoir donc une confrontation très rapidement entre ces cadres de la défense civile et les militaires, qui vont aboutir à plusieurs oppositions très claires, à la fois des étudiants, puisqu'il y aura de très grandes manifestations étudiantes et de très grandes grèves qui vont mobiliser de l'écolier aux lycéens, aux étudiants entre 71 et 74. Vous avez quelques cadres de la défense civile qui vont s'opposer en fait à l'orientation politique du régime et qui vont arriver à un rapport de force qui va les contraindre en fait à choisir l'opposition armée. Et donc c'est dans ce cadre-là que le chef de la défense civile, qui s'appelle Ange Diawara, va décider de faire un coup d'État pour renverser le régime. Le coup d'État est un échec, et en fait le président Marien Gouabi profite de ce coup d'État pour purger, bien au-delà des putschistes, l'ensemble de la classe politique congolaise, pour permettre d'homogénéiser idéologiquement le parti, etc., et pour anéantir complètement les oppositions et les tendances qui ont cohabité depuis 1950. Si le mouvement d'août 63 a abouti à un régime socialiste au Congo jusqu'en 68, c'est lié évidemment à la situation politique congolaise et à la politisation très importante de la société brazzavilloise, mais également aussi aux circulations, à l'influence réelle des organisations internationales progressistes qui avaient donc des réseaux au Congo et des réseaux en Afrique en général, et aussi à un contexte international, donc en plein dans la guerre froide, qui pousse aussi les régimes et les militants en général à se positionner vis-à-vis de ce conflit international. Et au Congo, en tout cas, la politique de non-alignement qui avait été voulue initialement a vite été rattrapée par le contexte international de la guerre froide, et donc c'est aussi par la politique internationale que le pays a choisi l'option socialiste. Dans les années 60, il y a déjà une globalisation des mouvements sociaux,
liée évidemment à des circulations multiples. Les circulations, ça peut être les voyages d'un continent à l'autre. Les étudiants, par exemple, africains viennent étudier en France. Ça peut être les voyages des livres, parce qu'il y a toute une bibliothèque marxiste, par exemple, qui est diffusée en Afrique via les éditions sociales, via les éditions du Progrès de Moscou et via, de plus en plus massivement, les éditions de Pékin. Dans l'ouvrage « Étudiants africains en mouvement », il y a plusieurs exemples de ces circulations. J'en prendrai seulement deux. D'une part, donc on sait qu'il y a eu, en mai 68, à peu près concomitant du mai français, un mai sénégalais qui s'est donc déroulé à Dakar et dans les provinces du Sénégal. Lors de ce mai sénégalais, qui était à la fois un mai étudiant et un mai des travailleurs, il y a eu une répression assez forte, et en particulier le président Senghor a expulsé du pays tous les étudiants étrangers qui faisaient leurs études à l'université Cheikh Diop de Dakar. Il les a donc fait rapatrier dans leur pays d'origine. Or, parmi ces étudiants, il y avait des Dahoméens et des Dahoméennes qui, un an plus tard, en mai 68, vont à leur tour monter un mouvement social, et il y aura aussi donc un mai Dahoméen un an plus tard. Autre exemple, c'est celui de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Donc il y a un certain nombre d'étudiants africains qui viennent étudier en France pour leurs études, soit secondaires, soit supérieures, liées au fait qu'en Afrique, il y a eu très longtemps une espèce de malthusianisme dans l'enseignement, la métropole ne souhaitant pas que les Africains aient des études supérieures qui leur permettraient d'avoir des boulots qui soient les mêmes que les Français. Globalement, je simplifie, mais c'est un peu ça. Et donc, certains nombres d'étudiants africains sont obligés de venir faire leurs études en France. Or, ces étudiants en France sont organisés au sein d'un syndicat, association, mouvement social, la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, dont les leaders vont à leur tour venir en Afrique, dans leur pays d'origine, pour organiser les étudiants sur place, créer des associations nationales d'étudiants, de scolaires, etc. et transmettre aussi un certain nombre de savoirs qu'ils ont acquis en métropole, dont les savoirs marxistes. Donc, il y a eu des circulations extrêmement importantes entre les colonies et les anciennes métropoles. Si on prend le cas des étudiants algériens, sur 1500 étudiants à l'extérieur, la moitié sont en France, un tiers sont dans les pays de l'Est, dans les pays socialistes, et un autre tiers dans les pays arabes. Donc on a des circulations beaucoup plus variées que simplement métropole. Colonie, même si c'est là la principale. Beaucoup d'étudiants africains sont à Moscou, en Bulgarie, en Tchécoslovaquie. Ils participent dans ces endroits-là aux grandes rencontres internationales socialistes. Les États-Unis sont aussi importants, je pense aux étudiants éthiopiens qui se sont politisés à la rencontre des mouvements des droits civiques américains. Les Black Panthers qui étaient présents au Festival panafricain d'Alger en 1969. Et là, on voit que les relations n'ont pas toujours été d'ailleurs. Parfois, c'était inspirant, parfois, c'était des accrochages. Enfin voilà, Malik Haral explique à Alger comment les militants communistes algériens, on va dire, contredisent avec véhémence les Black Panthers en les traitant de racistes et en dénonçant leur condescendance vis-à-vis des militants africains. Donc bon, voilà, on a des circulations en fait mondiales. Les années 68 marquent aussi, à mon sens, la politisation des questions privées, d'ordre sexuel, de couple. Et voilà, au Mali, les jeunes filles revendiquent la fin de l'exclusion des filles enceintes des établissements scolaires dans le mouvement de la fin des années 70. Et là, ça fait écho forcément à ce qui a été étudié davantage dans les pays européens, aux États-Unis. Donc on voit comment ces questions-là, en fait, d'ordre privé, résonnent un peu partout à travers le monde. Les années 68 voient émerger cette figure de la jeune fille protestataire, donc liée à leur arrivée dans les écoles. Et donc elles sont, au même titre que les garçons, présentes dans les assemblées générales, dans les manifestations, dans les cortèges étudiants. Par contre, on voit qu'elles restent assez peu visibles, elles prennent très peu la parole, ce ne sont pas des leaders, donc, ou très peu. Le leadership demeure masculin, on a une division sexuée des tâches qui s'opère à l'intérieur des mouvements étudiants, mais elles sont présentes, on les retrouve
retrouve donc en Guinée, au Mali, en Ouganda, à Madagascar, voilà, dans différents pays traités à l'intérieur de l'ouvrage. Elles apparaissent de manière parfois fugace, parfois les articles en parlent davantage. En parlent davantage notamment pour évoquer la répression. Et la répression subie par ces jeunes filles, eh bien, est sexuée. Il y a des violences sexuelles à leur égard qui sont très importantes et qui ont sans doute contribué aussi à leur occultation dans les mémoires, parce que après des viols, il est très, enfin voilà, le viol provoque le silence de ces militantes, de ces jeunes filles, et c'est notamment étudié dans l'article sur l'Ouganda de manière plus approfondie.